êtes âgé entre 14 et 18 ans, vous êtes intelligent, vous maîtrisez un mets traditionnel de votre région, alors venez le démontrer dans Dalasso. Démontrez aux yeux du monde les petits secrets que maman vous a enseignés. Pour participer au casting, demandez aux parents de nous contacter au 96 06 64 74 ou encore au 95 69 11 66. A très bientôt dans Dalasso. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous savoir parmi nous. Comme vous le savez, notre souci à chaque édition est de vous faire voyager à travers l'Afrique en vous présentant une panoplie de mets qui font notre identité, mais aussi notre authenticité. Cette semaine, nous avons rencontré une jeune fille dynamique et pleine de vie. Et quand je dis dynamique, je pèse mes mots. Elle vous donnera sûrement le sourire. Bonne arrivée, ma chère. Bonjour, Ashley. Bonjour, tante. Tu vas bien? Tu fais G2, comptabilité, c'est ça? Oui, tante. Pourquoi avoir choisi cette filière? J'ai choisi cette filière car la comptabilité est un traitement de données, de l'information qui nous permet de bien gérer une entreprise et de rêver de créer sa propre entreprise. Comme toi, tu rêves de créer ta propre entreprise à l'avenir? Oui, tante, car j'aimerais être patron de moi-même et travailler pour moi-même. D'accord. Revenons à nos casseroles. Quel est le mets que tu prévois nous faire manger aujourd'hui? Le menu du jour est le macabo râpé et la sauce d'arachide grillée au gombo. Je salive déjà. Chers téléspectateurs, je vous conseille de rester scotchés, car cette brillante jeune fille qu'est Ashley va vous tenir en haleine, j'en suis sûre. Bonjour à tous. Je suis l'élève Chumu Chumu Yanni Ashley, en classe de première CG au lycée technique de Nulondouala. Mon père s'appelle Yonke Florentin et ma mère Tiazou Nadine Flo, tous originaires de Bazou, arrondissement de Bazou, département d'Indé. Mon menu du jour est le macabo râpé à la sauce d'arachide grillée au gombo. Le macabo râpé est une nourriture très consistante et nourrissante, surtout pour les enfants et aimée par tout le monde. Après avoir fait un tour au marché, je vous ai ramené les ingrédients nécessaires pour ma cuisson. Nous avons du macabo blanc. J'ai choisi le macabo blanc parce qu'il glisse sur le grattoir et est facile à préparer. À côté de ce macabo, nous avons du manioc. Le manioc est là pour faire gonfler le râpé et garder sa solidité. Nous avons la viande du bœuf, riche en protéines, qui se couvrira dans ma sauce d'arachide grillée. Nous avons de l'arachide, du sel, du poivre blanc, du piment, de l'oignon, du l'ail, de l'huile d'arachide, de la tomate, du gombo noir. L'huile rouge me permettra de colorer légèrement mon macabo râpé. Pour commencer, j'apprends le macabo. Dynamoï, quand on était petit, chacun d'entre nous avait ses projets. On disait si on grandit, on va payer voiture. Thank you.
macabo blanc glisse mieux sur le grattoir que le macabo rouge. Quand vous râpez le macabo, il faut être très prudent. Parce que si vos doigts touchent au grattoir, c'est la catastrophe. Voici le manioc, beaucoup plus difficile à râper. Je mets une pincée de sel. J'ajoute un peu du rouge pour colorer mon macabo. Vous constatez que mon macabo râpé est légèrement coloré. J'ajoute un peu d'eau chaude. L'eau chaude permet au macabo râpé d'être tendre. Après avoir soigneusement lavé mes feuilles, j'ai pas mon râpé. Quand je mets ma mamie au feu, je n'ai pas besoin de rajouter d'eau. Je laisse du temps à l'eau qui sointe des feuilles de sécher avant d'en rajouter. Pendant que mon râpé au feu, j'apprête la sauce en commençant par la viande. Je lave ma viande à deux reprises pour la débarrasser complètement des déchets. Je mets une pincée de sel pour qu'elle ne soit pas fade. Pendant que ma viande est au feu, je fais griller les arachides. Je fais cuire mes arachides à feu doux pour que ça soit doré. La viande sera bientôt cuite. Je laisse mes arachides refroidir pour mieux enlever la peau. Je lave soigneusement mes condiments parce qu'ils sont exposés au marché, au soleil et à la poussière. Comme vous le savez, l'oignon et le lait ont beaucoup de vertus dans notre organisme. J'aime de temps en temps l'écraser à la pierre parce que ça me rappelle la méthode que ma grand-mère m'a apprise. Thank you.
Généralement, on vend le gombo déjà découpé au marché. Je préfère le gombo non découpé parce que je suis sûre de bien le laver avant de le découper. Mes arachides étant refroidis, je les dépulpe. Maintenant que l'huile a chauffé, je verse l'oignon découpé pour faire frire. Ensuite, la viande. J'ajoute ma tomate écrasée. Je mets de l'eau pour rendre l'arachide plus pâteuse. Le mélange est homogène. Je vais maintenant verser dans la marmite. Je rajoute un peu de sel. Je laisse bouillir avant d'ajouter les condiments. Une fois ma sauce bouillie, j'y ajoute les condiments verts. Le gombo est le dernier ingrédient qu'elle met dans ma sauce parce que ça ne doit pas durer au feu au risque de perdre son aspect brillant. Comme vous le constatez, la sauce d'arachide grillée au gombo est pratiquement prête. Comme je l'ai dit plus tôt, de l'eau à la bouche. Félicitations, Ashley.
Merci, tante. Je n'ai qu'une seule envie, m'asseoir et commencer à manger. Mais dommage, je dois encore attendre parce qu'il faut que je te récompense pour ce magnifique travail que tu as accompli. Papa, maman, professeur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et oh, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Je suis quelqu'un grâce à toi et oh. Egweke, bana egweke. Je vais cook pour être comme toi. Salut, 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 Monika, Monika, Monika. Je vais déguster un bon mets maintenant. Les râpés, les râpés. Et comme si ça ne suffisait pas, Ashley, une deuxième surprise. Hey, Anguera, Anguera. Je ne connais pas les jonglages. On lui dit 8h, 8h. Voilà déjà, il est 19h. Dieu n'est pas là. Josh, c'est comment? On dit à quelqu'un 8h. 8h, il est 19h. Elle n'est pas là. Vraiment de Dieu, quand on dit faut jongler, faut jongler. Moi, je ne comprends plus Josh. Elle est comment? Merci. Voilà celle qui va remplacer Joyce. Ça va, maman? Ça va bien. Okay. C'est une grande surprise pour moi de vous voir si ce jour pour manger mon repas. Je vous dis grand merci pour ça. Bon, mon menu du jour est le macabo râpé, comme vous le voyez, et la sauce d'arachide grillée au gombo. Mademoiselle Chumo, félicitations déjà, mais il faut rectifier quelque chose. On n'appelle pas ça le macabo râpé et la sauce d'arachide grillée. Ça s'appelle Bekwan Supa Ngondo. Voilà. Tu as compris? Bekwan Supa Ngondo. Bekwan ne sauve onde, sauve onde. Bekwan ne sauve onde. Voilà, maintenant que cette rectification est faite, il faut qu'on te félicite parce que c'est rare aujourd'hui de voir les jeunes filles camerounaises qui savent faire la cuisine. Les femmes vont m'excuser, mais franchement, c'est rare. Première chose. Deuxièmement, c'est encore plus rare de voir les jeunes filles qui font la cuisine africaine et camerounaise en particulier. Donc franchement, félicitations. Et tu vois qu'on a Monika qui est un peu gros parce qu'il vit bien. Il va encore prendre le poids aujourd'hui. Le Bekwan, c'est grâce à ça. Et quand on me critique aussi, on mange les spaghettis, tu vois comment il est. Grâce au Bekwan, il va prendre du poids. Donc franchement, à l'émission d'Alassou, c'est une très bonne initiative. Nous voulons amener le plus grand nombre de femmes, le plus grand nombre de jeunes filles à faire ce genre de choses. Aller dans les villages, voyez les mamans, il y a les jeunes filles qui savent faire des merveilles. Quand on cesse de nous faire manger des cornichons, des machins. Mais faites-nous la cuisine africaine, il n'y a pas mieux que ça, franchement. On va manger les Bekwan et Supangondo. Merci Ashley, tu as très bien travaillé. C'est ce qu'on mange souvent le week-end, samedi, dimanche, dans les grands restaurants, ça va. Mais là, on mange ça en direct, c'est franchement bien fait. Comment tu trouves ça? On n'apprécie pas la nourriture quand on a faim. Bon, mange alors. Donc tu manges d'abord. Voilà. Quand tu es plein maintenant, tu as le temps d'abord. Parce que quand tu as faim, tout ce qui est là, tu manges d'abord. Tu ne veux pas savoir, c'est bon. Donc quand je serai plein là, donc là, je vais te dire. Alors, Fetikos, quand je te fais appeler le plus gros des Éthiopiens. Ça veut dire que tu ne m'as pas connu avant. J'ai même un peu pris du poids. Parce qu'avant, quand tu dis le plus gros de l'Éthiopie, tu vois même ce type comme ça. Tu dis, mais si c'est le plus gros du pays, là, ça veut dire que je peux pas partir là-bas. Tu vois, bon, bref, c'était par rapport au gabarit. Et pour dire aux gens que même si tu es comment, n'aie pas peur de ça. Il faut dire que bon, je suis comme ça et puis je fais avec. Et à Monika, un jour, tu seras comme lui. C'est vrai que tu as donné plein d'autres exemples, mais à qui tu penses particulièrement? Ah, moi, je pense à tout le monde. Je pense à toutes les personnes qui ont réussi. En fait, être comme toi, ce n'est pas spécifiquement être comme tel que la personne est. Mais le point commun, c'est la réussite, en fait. Donc, un jour, je réussirai ma vie aussi tel que
telle ou telle personne a réussi sa vie. Donc en fait, c'est de ça que je parle dans la chanson. Et maintenant, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Comment avez-vous trouvé le repas d'Ashley? Déjà que c'est mon plat préféré. Et vous ne trouverez pas un artiste au Cameroun qui dirait que non, ça c'est pas mon plat préféré. Mais 80% des artistes camerounais, c'est leur plat préféré. On a tout dit pour l'appréciation, donc encourager les mamans à prendre leurs jeunes filles à faire ce genre de mets traditionnels de chez nous. Dalassou, ça dit tout. Maintenant, je profite donc de cette tribune pour lancer un appel aux DJ, aux animateurs radio, télé, techniciens radio, télé, pour également prendre ou bien poser ce concept de Moussiki Moissou, c'est-à-dire notre musique, la musique de chez nous, comme Dalassou. Voilà. Voilà, je vais te répondre par une autre question. Elle est mariée. Oui, oui, une jeune fille. Ah, ok. Elle a que 17 ans. Voilà, ça veut dire que c'était parfait. Franchement, elle ne prépare bien. Hein, et je pense que si elle pouvait être une deuxième femme pour quelqu'un, peut-être, ça pouvait aller. C'était très bien, franchement. Elle a bien préparé. Bon, mon père est polygame, donc je n'ai pas peur. Ah oui. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'avoir passé cet agréable moment avec vous. Très bon appétit pour ceux qui vont manger parce qu'il sera bientôt midi. Nous nous retrouvons à la prochaine édition. Bye. Vous êtes âgé entre 14 et 18 ans. Vous êtes intelligent. Vous maîtrisez un mets traditionnel de votre région. Alors, venez le démontrer dans Dalassou. Montrez aux yeux du monde les petits secrets que maman vous a enseignés. Pour participer au casting, demandez aux parents de nous contacter au 96 06 64 74 ou encore au 95 69 11 66. A très bientôt dans Dalassou. Dalassou.